Citron, bienfaits et vertus. Le citron est le fruit du citronnier, Citrus limonium, un petit arbre à feuilles persistantes de la famille des Rutacées. Originaire d'Inde et d'Asie du Sud-Est, il fut introduit en Europe par les Arabes au début de l'ère chrétienne. Cet agrume est cultivé en France depuis le XVIIe siècle et reconnu pour ses nombreux bienfaits et vertus sur la santé. Le citron et ses bienfaits sur la santé. Majoritairement composé d'eau, le citron apporte peu de protéines et de lipides. Ce sont les glucides et les fibres qui sont les plus importants constituants de ce fruit. Très riche en vitamine C, parmi les agrumes, c'est le fruit qui en contient le plus, le citron est un bon antioxydant. Il aide à lutter contre les allergies, renforce notre système immunitaire et prévient la formation et le développement de certains cancers. Le citron est aussi un excellent allié contre la fatigue. Idéal contre les maux d'hiver. En cas de grippe, de forte fièvre ou simplement de grosse chaleur, le citron est un très bon rafraîchissant que l'on peut consommer en jus ou en limonade, faites macérer dans un litre d'eau deux citrons non pelés et coupés en tranches additionnées d'un peu de sucre. Antiseptique et dépuratif, le citron peut être utilisé pour soigner les maladies infectieuses. Boire un jus de citron chaud additionné d'une cuillère de miel est un remède naturel pour soulager un rhume, une grippe ou une bronchite, mais aussi pour aider notre système immunitaire à mieux se défendre contre les microbes de l'hiver. Le citron permet aussi de lutter contre la diarrhée en cas de gastro-entérite notamment. Utilisation du citron. Mélangé à de l'eau chaude et bu à jeûne le matin, le jus de citron agit comme un tonifiant sur le foie et facilite la digestion. Il peut aider à soulager de nombreux troubles digestifs, nausées, brûlures d'estomac, ballonnements, diarrhées. L'écorce de citron fraîche ou sèche possède des vertus toniques. On l'utilise dans la composition de certaines boissons apéritives. Dans la bouche, le citron a la réputation de blanchir les dents, de combattre la formation du tartre, de soulager les aphtes et l'inflammation des gencives. En usage externe, le citron est un excellent antiseptique de secours. Le jus de citron stoppe le saignement et accélère la cicatrisation. Pour des cheveux souples et brillants, après le shampoing, ajoutez un jus de citron à la dernière eau de rinçage. Le citron en cuisine pour ses bienfaits. Bienfaits et vertus du citron pour la santé. Le jus de citron se déguste frais ou chaud, pur ou avec de l'eau, additionné de sucre ou de miel. Il parfume gâteaux, mousse, cake et confiture, mais aussi de nombreux plats salés. Un soutien de la vitalité. Le citron constitue une bonne source de vitamine C, 29 mg à 100 mg, source, en cicale. Ainsi, la vitamine C contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Cet agrume représente également une bonne source de folate, vitamine B9, 36,5 mg à 100 g, source, en cicale. Les folates contribuent à réduire la fatigue et contribuent également au bon fonctionnement du système immunitaire. Une aide au système nerveux. Le citron affiche également une teneur significative en potassium, 190 mg à 100 g, source, en cicale. Le potassium contribue au fonctionnement du système nerveux. Un soin purifiant pour la peau. Enfin, le citron est un aliment sain avec une bonne teneur en nutriments. Sa consommation donne un effet bonne mine et un teint lumineux à la peau. En consommer régulièrement accompagne une meilleure qualité de la peau en diminuant troubles cutanés, rougeurs et démangeaisons. Les idées reçues à propos des bienfaits du citron. Il est vrai que le citron a de nombreux bienfaits mais certaines idées reçues ne sont pas toujours vérifiées. Par exemple, on parle souvent du citron pour sa capacité à rendre les dents plus blanches, ce qui est à moitié vrai. En effet, l'acide citrique aide à lutter contre le tartre mais ne suffit pas à lui seul à rendre les dents plus blanches, surtout si on continue en parallèle à fumer et à consommer du café ou du thé régulièrement. Il n'y a donc pas d'utilité à abuser du citron dans le but de blanchir vos dents, d'autant plus qu'à long terme, l'usage du citron sur les dents rétracte les gencives et donc augmente la sensibilité, abîme les mailles des dents et les fragilise. Petite astuce, pour limiter ces désagréments, consommez votre jus de citron à l'aide d'une paille. Nous lisons couramment sur le web que le citron fait maigrir, pourtant, aucune étude n'a démontré cette hypothèse. Intégré dans une alimentation saine et équilibrée, le citron permet seulement d'optimiser les bénéfices d'une bonne hygiène de vie. Prudence donc face aux effets de mode, l'importance réside dans une alimentation de qualité et adaptée à vos besoins. Le jus de citron à jeûne, bonne idée?
Consommer le jus de citron le matin à jeûne est intéressant pour réveiller en douceur le système digestif et augmenter les capacités drainantes du corps. Cependant, certaines personnes ne trouveront aucun bienfait à consommer le jus de citron le matin à jeûne, notamment si vous êtes sujet à des fragilités gastriques. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de consommer du jus de citron. D'autres personnes, en revanche, auront une constitution plus adaptée à en consommer le soir pour aider à la relaxation et se préparer à dormir. Ceci s'explique notamment par la présence de vitamine C dans le citron qui contribue au fonctionnement normal du système nerveux et à des fonctions psychologiques normales. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.